La montagne couronnée d'argent. Je me rapproche. Il y a quelqu'un là-bas. Je dois le rejoindre. Ça devrait être assez coupant. Oh. Oh. Pourquoi j'ai pas tout rangé au même endroit ? Miss Croft ? Quelqu'un me reçoit ? Allô ? Miguel ? Où tu es ? Merde! J'aime pas ça. Miguel ? Où tu es ? Oh non. Miguel ? Miguel ? Miguel ? Oh. Thank you.
L'avion. Jonah, t'es là, Jonah? J'ai cru que t'étais mort. Hé, hey, tu sais où est passé Miguel? Il n'a pas survécu. Qu'est-ce qu'il a, ton bras? Ah, je crois que c'est un parasite. J'ai bien cherché de l'armoise, mais ça pousse pas dans le coin. Je vais regarder. Oh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Si on le laisse comme ça, ça va empirer. Et c'est toi. T'es sûr de savoir ce que tu fais, là? En fait, j'ai eu un peu la même chose il y a longtemps, quand j'étais gamine en Égypte. Je vais pas te mentir, ça va faire mal. Tu crois que cette tempête, c'était la tempête? Celle de la fresque? Je sais pas. Je crois qu'on devrait s'arrêter, faire le point. On a foncé tête baissée. Et puis, avec la tempête... J'aurais jamais cru que ça empirerait autant, je... Ouais, j'aurais dû insister pour qu'on cule. Mais je comprends. Tu bloques sur un problème et tout le reste disparaît. Jonah? Hé. Je suis là. Et c'est mon choix. Le plus souvent. Mais si on meurt, qui arrêtera les cataclysmes? Qui empêchera les Trinitaires d'agir? Parfois, je sens que je suis obligée de continuer parce que sinon les gens croiront que je les abandonne. Mais peut-être que pour quelques heures, on aurait pu attendre. On devrait lui donner un nom. Ok. Ellie? Ah, c'est mon cousin. Il avait une sale tête d'asticot. Adieu, Ellie. Merci. On devrait y aller. Si on arrive à trouver Kouakiaku, on pourra se reposer cette nuit. Bonne idée. Je crois qu'on peut voir le village à travers les lianes par là. Je suis contente que tu sois restée près de l'épave. Si t'étais là, je voulais que tu puisses me trouver. J'avais le pistolet de détresse, alors... On peut passer par ici.
Ça doit être Kouakiaku. Essayons de descendre pour savoir ce qui se cache dans le temple. T'es sûr que c'est le chemin ? Allez, reste près de moi. C'est tout sauf un bon chemin. Oh. Oh ! On y est presque. On y est presque. J'ai déjà entendu ça. Non, je te tiens ! Ça va aller ? Ça va. Plus que quelques pas. Ok. Ok. Tout va bien ? Ça va, je gère. Je crois qu'on va devoir passer par là. Après toi. C'est quoi ? On dirait une sorte d'hôtel ou bien... Aide-moi, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que c'est ? C'est une recette. Ça ressemble à un mélange d'herbes pour mieux se concentrer. Ça pourrait être utile si on croise d'autres jaguars. J'espère que non. La sortie est par ici. Je crois qu'on peut partir par là. Jonah. Donne-moi un coup de main. Ouais. À 3, 2, 1. Ça va aller. Je veux bien que tu m'aides. Ton dos est salement amoché. Je vais préparer le campement. Laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est pas joli. Tu sais, avec tout ce qu'on traverse en ce moment, je pense à mon frère. J'ai toujours essayé de le protéger. De mon père. De lui-même. Mais je l'ai perdu. T'as fait ce que t'as pu. Si j'avais été au bon endroit, au bon moment, il serait encore là. Si j'avais eu des yeux derrière la tête. Tu peux pas protéger tout le monde.
Il me manque. Je sais. Mes parents... ils me manquent tellement. J'ai rêvé de ma mère il n'y a pas longtemps. Ah oui? C'était tellement réaliste. Quand j'étais petite, mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses. Des secrets. Sur elle, notamment. Pourquoi il faisait ça? Après la mort de ma mère, il a cherché à m'épargner. Ça m'a jamais empêché d'être curieuse, bien sûr. Ouais. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolu. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Ischel pour refaire le monde. Si toi, tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi? Je paniquerais déjà. Tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver? Et perdre tout le reste. Non, non. J'aime bien ce monde, c'est... il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Prétendre au trésor, l'aventurière Lara Croft doit triompher du roi, atteindre la tombe interdite et résoudre le mystère de la Reine Blanche. Mais la route sera semée d'embûches. Lara, j'avance tes exercices de marche. L'aventurière ne doit pas traîner une seconde. J'ai presque fini! Les murailles du château l'appellent. Tentatrice. Notre héroïne croise d'étranges créatures. Elles sont peut-être sanguinaires. Maintenant, en route pour la tombe interdite. Notre héroïne ne doit pas faire de bruit pour ne pas alerter le roi. Mais quel est le rapport avec Lara? Elle est dans sa chambre. Elle fait ses devoirs. Elle n'a pas beaucoup de temps. Oh. La garde royale ne s'attendra pas à ce que Croft escalade le château. Château est plus haute qu'attendu. Notre héroïne remarque une autre entrée. Jeune Lara risque une chute mortelle en avançant, mais elle fait le vide dans son esprit. Oh.
y est presque. Elle reprend l'équilibre et sa progression. Direction la tombe interdite. Les parapets sont endommagés. Elle va devoir se faufiler. Elle est si proche qu'elle peut presque la toucher. Mais un champ de force invisible l'empêche d'avancer. Elle doit trouver une autre entrée. Notre intrépide aventurière a atteint le sommet. D'entrer un peu plus bas. Elle doit rester sur ses gardes. Mais dans quoi je m'embarque encore? Oh merde! Enfin, elle pénètre dans la tombe interdite. De nuit, la chauve-souris a volé la reine par 30 nord et 90 est. De sa plume, elle décrit son cœur. Et de la lumière jaillit son amour libéré. La reine blanche se sent peut-être seule. Et de la lumière jaillit son amour libéré. Ça a marché! Rejoint la mezzanine interdite. Elle va devoir se méfier. Un Yatiri, un guérisseur sud-américain. Un bébé tyrannosaure. Est-ce qu'il a perdu sa maman lui aussi? Je dois trouver la reine blanche. D'où qu'on les regarde, ces masques ont l'air de vous observer. Des crânes d'animaux, un présage de mort et sans... Je n'avais jamais vu certains de ces artefacts avant. Un ossuaire. Il contient les os d'une personne décédée. L'inscription est illisible. C'est le genre d'armure que portaient les conquistadors pendant les grandes découvertes. Je me demande ce qu'ils ont trouvé. Une statue d'un hariki. Ça vient des îles Cook? On dirait que c'est grec. Non, perse. Je me demande... Une lionne perse. Mais quelqu'un lui a pris sa tête. Le masque mortuaire d'Agamemnon. Trouvé à Mycène. Un masque tribal africain. Tout en or. Ashanti peut-être. Les ailes de la chauve-souris se déploient. La voilà. La reine blanche. Prise au piège. Je dois l'aider.
Maintenant, je peux la libérer. Et de la lumière jaillit son amour libéré. Battant, notre aventurière passe la barrière d'un monde inconnu. C'est à maman. La voix est hantée. Par les chauves-souris, dit le chevalier rouge. La reine blanche lui sourit avec curiosité et dit « Non, je n'ai pas peur des chauves-souris. Je n'ai peur d'absolument rien. » Alors, tu m'expliques ? Toi et moi, on chevauche un T-Rex en Égypte. Et papa, il est où ? Au travail. Tu l'obliges à me rendre sans secret. Je serai de retour dans un mois, je crois. Amélia, c'est très très important. Je ne peux pas abandonner mes responsabilités. Je suis sur le point... Tu es toujours sur le point. Ton obsession va détruire notre famille. Obsession? Mon obsession? Tu rates l'enfance de ta fille parce que tu pars toujours fouiller des tombes à l'autre bout du monde. Tu pourrais pas te réjouir de ce que tu as. Oh, mais bon sang! Rien ne vous oblige à vous... Papa ? Non, je vous en prie, vous devez comprendre, c'est certainement la plus importante de toutes mes découvertes. Bon, ok, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce qu'il faut ? Papa ? Papa ! Bonjour. Il y a une route. Allons voir ça. Qu'est-ce qui se passe ? Merde, les trinitaires, plante-toi. Merde ! C'est coincé ! Quoi ça ? On va régler ce problème. Reste derrière moi. Je le sache. Qu'est-ce que tu fais ? Recule, cache-toi. Toi, l'expert en logistique, non ? C'est pas moi qui me suis engagé sur un truc, oui. Oh, une seconde ! Je m'en occupe ! Pas besoin, c'est mes alliés. Et reste vigilant. Je devrais jeter un œil. Je m'en charge. Reste là. Personne ne puisse passer. Je veux que toute la zone soit bouclée. Oui, chef. Il y a quelque chose. Il n'ira pas à prouver.